et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre vlog en direct de Linaxos Lab. N'ayez crainte, Windows IoT Core ne va pas devenir l'objet principal de la chaîne. Mais lorsque j'aborde un sujet, j'aime bien le boucler par unité logique et cohérente. Or ici, vous allez le comprendre assez vite, il manque un petit complément pour boucler cette première visite au pays du Raspberry sous Windows. On se rappellera mes premiers papiers sur notre blog abordant la question et comment ne pas se tromper et mettre en route un Raspberry en utilisant les bons outils Microsoft ou la liste d'accessoires à acheter pour faire son mini labo personnel à moindre frais, ou encore le troisième papier indiquant toutes les devices supportés par Windows 10 IoT en dehors du Raspberry et les diverses éditions de cette OS. Mais c'est sur un millier d'articles et c'est finalement peu. En revanche, vous n'avez pas pu louper la 20e vidéo de Dotvlog qui présentait le projet de LED clignotante assorti d'un contrôle visuel sur un écran tactile et dont l'épisode du jour est la suite logique. Les liens de tout ça sont sous la vidéo, n'hésitez pas à vous y référer. Poursuivant l'éclectisme de la chaîne, les prochaines vidéos traiteront de Xamarin Form et notamment de sa nouvelle fonction Shell, mais on ira aussi se promener du côté des synthés modulaires et du nouveau filtre Frick de Vilt. J'aborderai très bientôt aussi les tests d'UI avec 8 tests de Microsoft et la méthode POP pour Xamarin Form, puis nous reviendrons au Raspberry et toutes les modes de communication série, I2C, UART et autres SPI utilisables avec cette machine pour dialoguer avec des sondes par exemple, ce qui fait partie des bases indispensables. J'arrête là, bref, vous l'aurez compris, je vais continuer de parler de plein de choses et pas seulement que d'IoT. Mais revenons à l'épisode du jour. Comme vous l'avez constaté, l'application que nous avons vu fonctionner dans le 20e épisode de notre vlog, proposait une UI écrite en XAML et permettait même une certaine interaction grâce au bouton virtuel pour la stopper et revenir au mini-shell de Windows 10 IoT Core. Cela peut sembler un peu lourd. Faut-il systématiquement un clavier, un écran, une souris pour faire des apps Raspberry ou investir dans un mini-écran tactile? Heureusement, la réponse est non. Deux fois, heureusement d'ailleurs. La première raison est que tout cet attirail habituel pour nos PC de bureau est bien encombrant et ferait perdre un peu d'intérêt à une solution aussi compacte que peut l'être le Raspberry ou d'autres devices de ce type d'ailleurs supportés par Windows 10 IoT. La seconde raison est qu'une seule app ayant une UI peut tourner à la fois sur Windows 10 IoT Core, ce qui serait sacrément limitatif s'il s'agissait du seul mode de programmation offert. Il nous manque donc un bout de l'histoire pour terminer cette première capsule, comme diraient nos cousins mangeurs de caribou et de sirop d'érable. Ce petit morceau vient donner son sens au puzzle, c'est la programmation en mode background. En effet, si Windows 10 IoT Core nous limite à une application d'avant-plan à la fois, il nous laisse beaucoup plus de latitude en background pour exploiter tout le potentiel de ces petites machines et de leurs cœurs souvent multiples. Par exemple, le Raspberry 3 est basé sur une puce ARM Cortex A53, 64 bits, à 4 cœurs, chacun à 1,2 GHz, assisté d'un GPU lui-même à 2 cœurs. L'avantage principal de ce mode background est que les applications peuvent tourner en arrière-plan pendant que l'avant-plan reste disponible ou n'existe pas du tout. Windows 10 IoT permet d'activer le mode headless, c'est-à-dire sans tête, entendez sans UI, pour éviter le chargement de la couche graphique et gagner ainsi de la mémoire et du CPU. Alors, reprenons notre LED qui clignote et transformons le programme écrit pour qu'il agisse en background et non plus en foreground. Comme nous allons le voir, cette transformation n'est pas si difficile. C'est peut-être même un peu trop facile. Alors, pour pimenter cet épisode, nous nous lancerons dans un montage un poil plus sophistiqué, un poil seulement, utilisant un bouton physique, celui-là, pour stopper le clignotement, puisque nous n'avons plus d'UI pour le faire. Tout cela, c'est le sujet du jour, et c'est maintenant, tout de suite. Commençons avec l'application Background, copiant le fonctionnement exact de l'exemple de l'épisode 20 en lui enlevant tout ce qui concerne l'UI. Donc le bouton Stop à l'écran, l'ellipse rouge qui clignotait et le texte indiquant la bonne initialisation du contrôleur de GPIO. On va s'apercevoir que, bien que forcément plus simple, le code peut nous réserver des surprises. Andiamo dimostrazione. Mais pourquoi t'as dit ça en italien ? Bah je sais pas, c'était comme ça. Non bah c'est pas grave. Bah c'est quoi de mon idiot ? Non mais laisse tomber. Nous voici dans le lab pour le premier projet qui est le projet Background. Alors le projet Background, comme je l'ai expliqué, est un projet qui normalement devrait reprendre exactement le même code que celui de Blinky, sauf en enlevant l'interface XAML. Mais les choses ne sont pas aussi simples et aussi évidentes que ça.
pour faire un projet background, il faut un template de projet background. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser le template, mais en tout cas, il faut les éléments qui vont avec. Regardons à l'écran en ce moment, vous voyez que parmi les Visual C Sharp projects qui sont installés, dans les templates, nous avons Background Application IoT. C'est ce template qu'il faut utiliser, bien évidemment, pour faire un projet background pour le Raspberry. Alors, je l'ai déjà fait, bien sûr, pour que nous gagnions du temps. Ce projet vous crée ce que vous voyez en ce moment à l'écran, Blink Background Project, avec des propriétés, des références. Les références, on voit que nous avons le Desktop Extension for de UWP, très important, Universal Windows, etc. Et puis, bien évidemment, nous avons, si vous regardez, ajouter une référence. Dans le projet, nous avons Universal Windows. Ici, dans les extensions, nous avons les Desktop Extensions qui sont peut-être pas indispensables, mais sait-on jamais, c'est le template qui est comme ça en tout cas. Et puis, bien sûr, un fichier. Un seul fichier, startuptask.cs. Et dans ce fichier, nous allons retrouver un certain nombre de choses déjà posées pour nous, et puis nous allons remplir. Alors, on va noter que dans ce template, d'abord, il faut aller le chercher et l'installer. Attention, ça prend un peu de temps. C'est marqué que c'est pour VS 2015, mais ça marche avec VS 2017 et avec 19. Ce template est un peu long à... C'est un VSX qui est un peu long à installer parce qu'il va lui-même chercher à télécharger de nouvelles choses. Donc c'est une bonne chose, ça fait les choses tout seul, mais ça prend un peu de temps. Vous n'attendez pas à juste télécharger un fichier template de quelques cas et que ça marche. Vous avez des explications et de la documentation sur ce template qui se trouve ici. Donc, pas de problème particulier, ça s'installe très bien, ça marche très vite, et ça marche très bien. On a notre namespace, Blink Background, et comme vous pouvez le voir, cela crée une classe qui est sealed, et qui est de type eBackgroundTask. Donc il faut que notre task, qui est créé, notre classe, pardon, soit de type d'une interface particulière qui est eBackgroundTask. Le reste, c'est nous qui l'avons rempli, on va y revenir dans quelques instants. Et qu'est-ce qui fait partie de ce eBackgroundTask? Si on va regarder ici, cette interface contient juste un void run de task instance. Donc, c'est bien ce que nous retrouvons ici avec une public void run de eBackgroundTaskInstance, task instance. À partir de là, les choses sont relativement assez simples. Bon. Dans le run, tant que le run n'est pas sorti, la tâche va continuer de tourner indéfiniment dans la mémoire du Raspberry. Or ici, comme on va faire marcher un timer, inéluctablement, à un moment donné, on va sortir de la tâche run, en fait, de la méthode run. Pour éviter cela, nous devons obtenir un deferral. Ce deferral, on pourra l'annuler si on en avait plus besoin à un moment ou à un autre, si on voulait vraiment sortir du programme, ce qu'on ne va pas faire ici, puisqu'en fait c'est un programme qui sera shooté tout simplement par la console, par le portail, mais en tout cas pour pas que ça sorte à la fin du run, ça va sortir mais ça va rester en activité. La première des choses que nous devons faire, c'est utiliser le task instance qui nous est passé en paramètres et demander un get deferral. À partir de ce moment là, même quand nous aurons atteint la sortie de la méthode run, l'application sera toujours en fonction. La deuxième tâche, c'est le initGPIO. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est exactement le même que dans la 20e vidéo, donc la précédente, où on doit faire une initialisation des pins GPIO qu'on va utiliser. Ici, on n'en utilise plus qu'une, qui est celle de la rouge, hein, de la petite rouge. Et puis, on va tout simplement, dans le timer tick, initialiser donc un fretpool timer et utiliser, en fait, dans le tick, le pin va passer de high à low selon qu'il est low ou selon qu'il est high, et on va écrire la valeur de la pin sur la pin, l'objet pin qu'on a obtenu par le gestionnaire de GPIO. Donc rien d'extraordinaire, la séquence que vous allez voir à l'écran ou que vous venez de voir à l'écran en ce moment filme le fonctionnement, mais qu'on est incapable de différencier du fonctionnement de celui de Blinky qu'on avait vu la première fois dans la vidéo numéro 20, à la seule différence qu'il n'y a plus d'écran allumé, que l'écran, au contraire, est soit éteint,
donc on n'en a pas besoin, ou soit en fait qu'ils présentent d'autres applications d'avant-plan, comme le Shell par exemple de Microsoft IoT Core. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit bien que Blinky continue de fonctionner alors qu'il n'a pas l'avant-plan, et qu'à l'avant-plan, on peut appeler la météo, on peut appeler ce qu'on veut et faire d'autres applications. Donc ça, c'est l'intérêt de ce code bien particulier et de cette méthode très simple pour faire une application de background. Donc, rappelez-vous, 1, obtention du template, 2, créer une application de type background et remplir tout simplement la méthode run. Et si votre méthode run fait quelque chose qui va sortir comme ici, une fois qu'on a initialisé le GPIO, une fois qu'on a obtenu notre timer, forcément on va sortir de run. Évitez les boucles while true, des choses comme ça qui sont vraiment pas belles du tout, et puis pour pas mal de raisons elles sont pas intéressantes d'un point de vue consommation GPU, etc. Obtenez un deferral, c'est fait exprès, et vous avez la possibilité de le supprimer plus tard. Regardez la doc Microsoft, quand on a eu un get deferral, on peut le stocker quelque part et on peut le canceller si on a envie de sortir pour de vrai. C'est tout. Avec ça, vous êtes capable de faire une application d'arrière-plan pour le Raspberry. Génial, non? On va passer à la suite. Nous sommes bien étendus avec la version background de la LED clignotante. Il est temps de passer à plus élaboré. Cette application que j'appellerai ici Background Plus, c'est le petit plus, c'est un bouton physique qui, lorsqu'on appuiera dessus, suspendra le clignotement de la LED rouge et allumera une LED bleue fixe. Dès qu'on relâchera le doigt du bouton, tout se remettra en place, LED bleue éteinte et LED rouge clignotant au rythme que nous avons fixé, soit 500 millisecondes, soit 2 fois par seconde. J'aurais pu choisir de m'y mettre totalement la première version avec écran et faire en sorte que l'appui du bouton stoppe le programme. Mais c'était pas très sportif. Et c'est ici que nous allons sortir de la zone de confort informatique qui est la nôtre, et qu'il va falloir faire quelques efforts pour comprendre le fonctionnement électronique de l'ensemble, bien qu'il reste ici très sommaire. Mais regardons le code et quelques séquences vidéo du fonctionnement de cette adaptation. Oui, l'informatique, c'est comme l'électronique, c'est une question de capacité. Capacité. Non, bon, d'accord. Ok, laisse tomber. Ok, on est donc sur notre projet Blinky Background Plus. Et oui, car maintenant, il est temps de se passer totalement de l'écran, mais aussi de pouvoir faire quelque chose et d'intervenir. Dans notre première version XAML, nous avions un bouton à l'écran, virtuel certes, mais qui permettait d'arrêter le programme, et qui permettait aussi de visualiser par une ellipse qui était remplie de rouge ou pas, le clignotement et l'état de notre machine, un message qui nous indiquait si le GPIO avait été initialisé correctement, etc. Donc on disposait quand même de pas mal d'informations de retour et d'une possibilité d'interagir avec le programme. Or, à partir du moment où on supprime toute forme d'interface, il va devenir compliqué d'interagir avec le programme. En tout cas, aussi facilement qu'en mettant un bouton, une balise button dans du fichier XAML, ce qui est, et on va s'en rendre compte quand même, très très confortable et très simple par rapport à ce qu'il faut faire dans le monde réel. Donc, on a une breadboard, cette fois-ci on a deux LED, une rouge et une bleue. La rouge est celle qui clignote, comme d'habitude, on n'a rien changé. Elle est toujours connectée à la pin numéro 5 de notre GPIO. Rien à dire de particulier, sauf que sur la pin numéro 20, nous avons branché une LED bleue cette fois-ci, et que sur la pin 25, nous avons connecté un bouton poussoir, un fugitif. Et puis, pour gérer tout ça, eh bien en fait, on retrouvera donc le cœur de l'application background qu'on a vu tout à l'heure, avec la même structure. C'est une e-background task, donc bien sûr un projet qui a été créé avec le template, je ne vais pas me redire, et qui va tout simplement avoir une méthode run dans laquelle on reprend un get deferral parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête tout de suite, un init GPIO où on va initialiser tous les GPIO qu'on utilise, dans l'autre on n'utilisait qu'un seul qui était le 5 pour faire clignoter la LED rouge, là on va utiliser 3 GPIO, et puis s'agissant d'un système à multiple états, il va falloir quelque chose pour mémoriser l'état de notre application, pour savoir si elle est en train de clignoter ou pas, je vais y revenir dans un instant, donc un booléen qui nous dit si elle blink ou pas. Par défaut, elle va être vraie, puisque quand on va faire l'initialisation GPIO, on va lancer directement tout ça en même temps, et on va créer notre timer qui nous permet de lancer l'opération de façon régulière. Alors, rien n'a vraiment changé, et tout a changé. Si vous regardez par rapport au code précédent, les choses sont quand même relativement différentes.
Alors d'abord, on a structuré, hein. Bon, c'était déjà pas mal dans l'autre. On a toutes nos constantes qui nous permettent de connaître les numéros des pins. Je vous conseille de faire comme ça, parce que tout simplement, si demain vous voulez le mettre sur la 6 ou sur la 25 ou la 28, ça sera quand même plus simple de changer un numéro ici et de recompiler, plutôt que d'aller farfouiller partout dans le code où vous avez des références à ce numéro. Ensuite, on a les trois variables qu'on va utiliser, auxquelles on va se référer dans notre code, qui sont celles de chaque pin, donc ce sont des GPIO pins. Puis, on va voir le blinking rate, puisqu'on a décidé d'avoir un clignotement tous les 500 millisecondes, on va aussi le mettre en constante. On a un timer, on va le déclarer. Et on a une variable d'état booléen, qui est au départ déclarée en volatile, puisque on est dans un système quand même multitask. Donc, il est préférable de déclarer ces valeurs-là en volatile ici, pour être sûr que deux threads vont lire les valeurs, non pas à moitié, mais les lire en entier. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là parce que le parallélisme, etc., j'ai fait d'autres vidéos là-dessus qui expliquent et je ne vais pas vous embrouiller avec ça maintenant. Quoi qu'il en soit, on retrouve donc un run qui ressemble exactement à celui d'avant, bon, sauf dans l'initialisation de Blink is on et de la création du timer qui est légèrement différente. Et justement, bah, on ne voit rien de particulier. Oui, parce que beaucoup de choses, presque tout, va se passer dans l'initialisation du GPIO. Alors pourquoi? Parce que c'est un choix que j'ai fait de l'écrire autrement pour vous faire voir qu'il y a d'autres façons d'écrire tout ça. La création du timer, elle commence par dire que nous allons créer un timer, mais cette fois-ci un new timer. Donc on n'est plus sur le même type de timer que celui qu'on avait utilisé tout à l'heure pour la gestion du background. On va avoir un timer qui va démarrer tout de suite, donc ici avec un délai à 0, et qui est créé selon une période de 500 millisecondes, ce qui est notre default période qu'on a déclarée ici à 500 millisecondes. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire, elle va retourner le timer, timer qu'on stocke dans une variable pour pouvoir s'y référer plus tard. Et puis, bon, il y a un timer tick forcément. Qu'est-ce qu'il fait ce timer tick? Il est vraiment extrêmement rudimentaire, justement pour ne pas embrouiller les choses. Lui, il dit « blink is on » était égal à « not blink is on ». Donc, on inverse. Est-ce qu'on est en train de blinker? Est-ce qu'on n'est pas en train de blinker? Est-ce que la LED rouge est en train de blinker ou pas? On l'indique comme ça. Et puis, on va écrire la valeur « high » ou « low » dans la pin du GPIO correspondant, donc la blinking pin, la rouge, et on va écrire cette valeur en fonction de blink is on ou pas. Donc on a une variable booléenne qui change de on, de true à false, et qui va se traduire par l'envoi de high ou de low sur la pin du GPIO. A partir de là, on a une LED rouge qui clignote. Rien n'a changé. Donc où se trouve la gestion de notre bouton poussoir? Je vous rappelle le fonctionnement. Quand on appuie sur le bouton poussoir, on aurait pu très bien sortir du programme pour simuler exactement la version de BlinkXAML. Sauf que bon, c'était un peu frustre. Donc, pour compliquer un petit peu les choses, quand on appuie sur le bouton poussoir, on arrête le clignotement de la LED rouge et à la place, on allume la LED bleue pour faire voir qu'on est dans cet autre mode de fonctionnement. Et dès qu'on relâche le poussoir, on repasse dans le mode normal de Blinky. Alors comment ça va marcher tout ça, puisqu'on ne voit pas de code particulier? C'est dans l'initialisation du GPIO. L'init GPIO est une méthode qui est plus longue dans cette version-là que dans la version précédente, parce que c'est ici que va se passer l'essentiel du traitement. Faire clignoter la LED rouge, on a vu que c'était très simple, c'est dans le timer, c'est oui ou c'est non. Mais pour gérer notre bouton poussoir, l'état d'attente, etc., ça va être un tout petit peu plus compliqué. Alors sans détailler trop, voilà à quoi ça ressemble. D'abord, on obtient le contrôleur. Ça, on le fait dans tous les cas. Donc c'est notre GPIO. S'il n'y en a pas, on dit que ça ne marche pas et on s'arrête. Maintenant, on va ouvrir et mettre à l'état correct chacune des broches qu'on va utiliser. La première, c'est celle de la LED clignotante, donc blinking pin. On va ouvrir la blinking pin, qui est donc la 5. Et puis, on va mettre son drive mode en output, puisqu'on écrit des valeurs. Et puis, par défaut, on va l'allumer. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. On va s'occuper de la LED bleue, exactement de la même façon, sauf qu'elle, elle est éteinte par défaut. Donc, on ouvre la blue LED pin, et puis la blue pin, son drive mode est mis à output, puisqu'elle aussi, elle est en sortie. Et par contre, on va écrire une valeur low, claire et nette sur la sortie, de telle façon à ce qu'elle soit éteinte. Et puis maintenant, il faut gérer la pin à laquelle est connecté le bouton poussoir.
Je vous laisse regarder les plans qui apparaîtront à l'écran, avant, après, pendant, je ne sais pas trop, qui vous montreront effectivement le schéma, qui est rudimentaire, puisqu'on part de la pin du GPIO, on passe par le poussoir et on va au 3V3. Donc quand on appuie sur le poussoir, on envoie du jus, tout simplement, dans la pin numéro 25, si mes souvenirs sont exacts. Oui, le bouton de pin, on a décidé que c'était la 25. Donc, on envoie du 3V5. Le tout au travers d'une résistance pour éviter de griller, bien évidemment, notre GPIO. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par ouvrir le bouton de pin. Alors, comme vous le voyez, on fait open pin, quel que soit le mode de fonctionnement, qu'il soit in ou out. Le drive mode, maintenant, c'est là où la discussion va suivre tout à l'heure. La version naïve, c'est d'utiliser uniquement input. On voit qu'on a le choix de input. Ou deux autres, pull down et pull up. On va le faire en pull up pour que ça fonctionne. En pull down pour que ça fonctionne, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Je vous l'explique tout de suite après parce que c'est pas si simple. En même temps, c'est pas très très compliqué, mais enfin, il y a quelque chose à comprendre ici qui est très important. Et puis, on va programmer, puisque les pins ont un value change, donc surtout pas de boucle de lecture à 25 fois par seconde, 50 fois par seconde, avec un timer, etc. C'est complètement idiot, ça bouffe du GPU. Encore moins de boucles while true ou des choses de ce genre-là, c'est des abominations. Vous allez bouffer toute la puissance du CPU. Non, il existe un value change pour les pins GPIO, et là ça nous intéresse très vraiment de façon tout à fait à point, puisqu'on a besoin de savoir si le bouton poussoir a été poussé ou pas. Donc le value change, on va le programmer sous forme directement d'une lambda, donc sender args, hein, qui sont les deux paramètres passés à cette méthode. Et puis on va faire un switch sur le args.edge. Le args.edge, si vous regardez, il est de type GPIO pin edge. Et ça prend tout simplement deux valeurs, donc on est encore dans quelque chose d'un peu booléen. Falling edge et rising edge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va détecter soit que on passe de 0 à 1, ou soit qu'on passe de 1 à 0, en tout cas d'un voltage low à un voltage high, ou l'inverse. Donc nous, ce qu'on va détecter, c'est effectivement quel est le passage qui vient de se faire. Dans le cas où on est dans un rising edge, c'est-à-dire que le bouton poussoir était, depuis notre montage, tel qu'il est fait, si on n'y touche pas, si on appuie et qu'on a un rising edge, ou plutôt si on a un rising edge, c'est qu'on a appuyé sur le bouton poussoir, donc il passe à haut. Dans ce cas-là, on kill carrément le timer, pour être sûr de ne pas re-rentrer dans la boucle, on le dispose. On dit que le blink est false, notre état de clignotement. Pour le faire, on va écrire sur la LED clignotante rouge la valeur low pour être sûr qu'elle soit éteinte, et on va allumer notre LED bleue tout simplement. Et puis on a un break, donc c'est fini, et on va attendre la nouvelle détection d'un value change. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'à un moment donné, l'utilisateur en aura assez d'avoir le doigt appuyé sur le bouton poussoir, et il va le relâcher. Quand il va le relâcher, eh bien, nous allons nous retrouver avec un événement dans lequel c'est une falling edge qui va être détectée. Donc un pan descendant de courant, donc du high vers le low. Et c'est ça qui nous intéresse. À partir de ce moment-là, la seule chose qu'on a à faire, c'est de dire que notre GPIO bleu passe à low, donc on éteint la LED bleue tout simplement, et on recrée notre timer par la petite méthode timer égale create timer, qui automatiquement va relancer la machinerie avec le blink is on égale not blink is on, etc. Donc hop, ça va se remettre à clignoter, et tout ce petit monde-là va tourner. Bien sûr, tel que c'est fait, il n'y a pas de bouton pour arrêter le programme. Mais on a un moyen de le faire basculer dans un état particulier qui suspend le clignotement ou qui le reprend en fonction de la valeur du bouton poussoir. Mais sur cette histoire de pull-down et sur le problème qui n'a pas été traité ici, qui est le problème de rebond inhérent à la nature même du bouton poussoir, il va y avoir des choses à dire. Donc ne bougez pas si vous avez envie de tout comprendre et de ne pas vous faire avoir avec des trucs de débutants. Écoutez la suite, même si, effectivement, ça va être un peu de la parlotte, mais il y a des moments où il faut bien expliquer. Hein. Donc, on y va. Moi, je vous laisse décider si ça vaut la peine d'écouter ou pas. Je retourne à mes occupations et je reviens dans quelques instants vous faire voir de quoi il s'agit. À bientôt.
Ceux qui ne veulent pas trop entrer dans les détails, et je peux les comprendre sans jugement, peuvent arrêter le visionnage ici. Mais cela serait très dommage car il y a un problème avec le bouton dont il faut bien parler. Je dis ainsi au revoir aux plus pressés, revenez quand vous voulez, vous serez toujours les bienvenus. Quant aux curieux assoiffés de connaissances qui restent en ma compagnie et qui surtout veulent faire des montages qui fonctionnent, on y va, c'est maintenant. Je l'ai abordé dans l'étude du code, mais je ne m'y suis pas attardé. Pourtant, c'est une astuce essentielle pour qui veut travailler avec un microcontrôleur et des boutons. Je veux parler des modes pull-up et pull-down. L'électronique, comme l'informatique, a ses propres design patterns, et ce pattern-là est d'importance car il couvre un besoin extrêmement fréquent, vous vous en doutez. Brièvement, le montage naïf qu'on aurait tendance à mettre en place pour gérer un bouton monostable, aussi appelé bouton poussoir ou fugitif, est celui d'une boucle entre le 3,3 volts du Raspberry et une pin GPIO en passant par le poussoir. Un schéma très simple, c'est celui qui s'affiche à l'écran en ce moment et que je vous laisse admirer quelques secondes. Cette version est vraiment très naïve car elle omet de protéger le Raspberry en reliant directement la source de courant à la broche GPIO. Je parle bien de courant et pas de tension. De toute façon, les GPIO fonctionnent en 3,3 et pas plus. Pour éviter de faire griller la petite machine, nous allons protéger la broche en interposant une résistance de 220 ohms. Valeur non critique mais pas magique non plus, qui affaiblira un peu la brillance de la LED, c'est vrai, mais qui évitera que le courant ne dévale la piste vers la broche comme une avalanche meurtrière. Je rappellerai qu'une LED n'est pas une ampoule à filament, qui elle prend toute la tension qu'on lui donne. La LED fonctionne au contraire en tension constante et laissera passer tout le courant disponible, amenant la puce gérant les GPIO à surchauffer, voire à griller si rien n'est fait pour la protéger. Pour rappel, la tension d'une LED dépend de sa couleur. On doit ainsi normalement calculer la valeur de la résistance pour faire la différence entre les 3,3 volts fournis par notre alimentation et la tension de fonctionnement de la LED. Mais je n'irai pas plus loin dans la technique et là encore je vous laisse quelques secondes pour admirer le nouveau schéma qui s'est affiché à l'écran. Maintenant, lorsque le contact est établi, le courant se voit un peu freiné, ne déboule pas directement dans le Raspberry. Alors je simplifie à l'extrême, car ceci n'est pas un cours d'électronique. Vous en trouverez plein le web si vous voulez creuser la question. Mais dans le cadre d'un petit montage Windows 10 IoT, il y a deux ou trois choses à savoir tout de même pour ne pas griller les devices. Une fois notre montage corrigé, il ne nous reste plus qu'à basculer la broche choisie en mode input dans notre programme C# et à lire régulièrement sa valeur. Ou plutôt à s'abonner à son événement de changement de valeur, ce qui est bien plus économe et efficace. Mais voilà, si vous vous arrêtez là, vous allez être déçu. Dans le cadre de notre montage avec la LED bleue, vous allez voir de temps en temps celle-ci s'allumer. Clignoter même. Parfois en alternance avec la rouge. Sorcellerie que tout ceci, le Raspberry est possédé, que nenni. C'est plutôt que par essence, l'informaticien est mauvais électronicien, chacun son métier. Mais en revanche, il peut utiliser ses talents de grand chasseur de bugs pour raisonner et trouver ce qui ne va pas. La pratique de la logique forme l'esprit. Ici, qu'avons-nous ? Un circuit qui, lorsqu'il est fermé, envoie 3,3 volts à une broche en mode read, ce qui lui fera détecter le niveau high ou 1 ou vrai, appelez-le comme vous voulez. Mais que se passe-t-il quand le bouton est relâché et que le circuit est ouvert ? À quoi est connectée la broche du Raspberry ? Oui, il y en a un qui suit au fond, oui, je l'ai entendu. À rien. En effet, à rien du tout. En informatique, un booléen qui n'est pas false est true, et réciproquement. Sauf si volontairement on a fait un new label, auquel cas il peut aussi prendre l'état nul, qu'on associe souvent à l'état indéterminé. Mais dans notre joli monde binaire, totalement découplé de la réalité électrique, tout est systématique. True, false ou nul. Même l'indétermination, nul, est bien régentée. C'est le nul. Pas le nul et demi ou le nul virgule 2. Non, c'est net. Enfin, c'est nul. Mais dans le monde physique, rien n'est aussi parfait que le paradis logique de l'informaticien. La broche est à l'état high si on applique un voltage suffisant. La broche est à l'état haut quand elle reçoit une valeur inférieure à une valeur limite, 1,2 volts environ pour le Raspberry. Le mieux étant de lui fournir le ground, le zéro, le neutre, peu importe encore une fois comment vous l'appelez, entre le low et le high, bien défini lorsqu'ils correspondent à des entrées bien définies elles aussi, la broche n'est pas à nul. Cela n'existe pas dans le monde physique. La belle logique de C# ne s'applique pas à la complexité du monde atomique. Dans notre montage, si la broche n'est plus high, elle n'est plus
rien. Enfin si, elle peut être tout, justement. Des fluctuations magnétiques diverses et variées de l'ordre de la microseconde ou plus vont se produire. Cet état est dit floating, flottant, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est parce que notre montage ne tient pas compte de ces fluctuations qu'en réalité, et sans bug côté programme, la LED bleue s'allume parfois ou semble clignoter. Pas de bug, non. Des fluctuations de la valeur de la broche connectée à plus rien. Elle passe donc parfois par la valeur high sans être branchée aux 3,3 volts. Et notre programme va y réagir très correctement. C'est le résultat qui nous semblera erratique, c'est certain. Ça sent le bug. Mais il faut le chercher du côté du breadboard plutôt que du code C#. Ce cas est un grand classique. Et toute personne qui veut faire une lecture claire et nette d'un poussoir connecté au microcontrôleur, après s'être fait avoir une fois, connaît en général la parade. Le schéma que vous voyez en ce moment est celui qu'il faudrait réaliser sur le breadboard pour éviter le problème. En fait, il y a deux schémas, vous ne voyez pas double. Car il y a deux façons de traiter le problème. Soit le poussoir fait passer la ligne à high et il faut une protection de type pull-down pour tirer vers le bas pour ramener la valeur à zéro quand le poussoir est relâché. Soit le poussoir est utilisé pour faire passer la ligne à la haut, c'est un autre cas de figure tout à fait possible, et il faut une protection de type pull-up, tirer vers le haut, pour ramener la valeur à high quand le poussoir est relâché. Le montage est ultra simple et utilise juste une résistance assez forte qui semble court-circuiter la boucle en la reliant soit à la masse ground, soit à la source de courant. En mode pull-down, par exemple, on est sûr que la broche est soit high quand le poussoir est enfoncé, soit là-haut quand il est relié à la masse au moment où il est relâché. N'est-ce pas merveilleux? Mais il y a mieux. Le Raspberry est une machine subtile et le cas est tellement fréquent qu'il a tout prévu. Ainsi, quand on initialise la broche GPIO, au lieu d'utiliser le mode input un peu naïf de tout à l'heure, qui suppose une entrée claire et nette, ce qui n'est pas le cas de notre montage, on l'a vu, à cause du poussoir, on choisira le mode pull-down, ou bien pull-up selon le cas, qui connectera automatiquement une résistance de la bonne valeur à la broche, puis reliera le tout à la masse, pull-down, ou à la source de courant, pull-up. Tout cela automatiquement dans le SOC à l'intérieur de la puce de gestionnaire des GPIO. L'informatique reprend alors ainsi ses droits, nul besoin de retourner sur le breadboard modifier le circuit, il suffit de passer les bonnes commandes au Raspberry. Mais est-ce vraiment tout? Un simple bouton poussoir peut soulever 1000 problèmes. Parmi les grands classiques, il faudrait régler le cas des rebonds. Un poussoir finit par s'user et le contact n'est pas forcément franc en début ou en fin d'appui, provoquant de petites sautes qui seront interprétées par le logiciel comme des passages à high ou low selon le cas. Même neuf, un poussoir n'est pas parfait, pas plus que l'humain qui appuie dessus. Imaginons un bouton pour compter les personnes dans une manif. On serait assurément plus proche des chiffres donnés par les manifestants que ceux donnés par la préfecture. Il peut y avoir d'autres raisons à ce rebond. L'utilisateur peut aussi trembloter ou ne pas avoir un geste assez franc. Hein, papy, lâche ce bouton. Ou bien encore appuyer à répétition sur le bouton. T'énerve pas, Maurice. Dans tous les cas, il existe une solution permettant d'éliminer les rebonds. Mais elle divise depuis toujours les tenants du hardware et ceux du software. Pour l'informaticien, il y a un problème qui vient de l'extérieur. Il faut s'en protéger. Pour l'électronicien, le circuit ne se comporte pas comme on le souhaite. Il faut le rectifier. Pour les partisans de la solution hardware, il faut simplement placer une capacité de 10 à 100 nanofarads entre les pattes du poussoir. Je ne vais pas expliquer pourquoi, ceux qui veulent creuser les questions iront sur internet et trouveront certainement les réponses. Pour les informaticiens, il faut faire une double lecture avec temporisation le temps que la ligne soit stable. C'est loin d'être parfait, c'est pas forcément simple à écrire. Là aussi, vous pourrez toujours trouver des exemples de ce genre de code. On notera que l'utilisation des librairies Windows IoT qui permettent de détecter les events prennent partiellement au moins en charge le rebond d'une façon programmatique. Donc. Mais par défaut, cela n'est pas le cas dans tous les langages et sous Windows IoT, il faudrait encore le tester à l'oscilloscope pour en vérifier l'efficacité et les limites, ce que je ne vais pas faire ici. De toute façon, les anxieux doubleront la protection en adoptant à la fois le condensateur sur le circuit et en introduisant une lecture temporisée dans le code. Quoi qu'il en soit, il faut connaître ce problème de rebond inhérent à la nature physique d'un bouton poussoir et savoir comment le régler. Se confronter à Windows 10 IoT et à des composants électroniques parfois aussi triviaux qu'un bouton poussoir n'est pas juste un truc de geek. Cela doit intéresser tout informaticien curieux qui veut aller plus loin que les banalités habituelles
pour les moins passionnés, disons que cela peut aussi être un plus pour votre carrière. En effet, l'informatique ne se pratique plus en laboratoire depuis des décennies. Elle envahit notre espace-temps quotidien. Le moindre gadget, la moindre chaussure de sport un peu hype, le moindre mixeur de cuisine un peu cool sont des objets connectés. Vous pourriez croire que cela ne s'adresse qu'à une niche de développeurs hybrides, mi-informaticiens, mi-électroniciens. Au départ, c'était peut-être le cas, mais plus aujourd'hui. Et encore moins demain. Nous tous, nous serons un jour confrontés sur un dossier ou un autre à la problématique d'une connexion avec l'Internet of Things. Ces fameuses choses sont déjà partout. Savoir leur parler, les piloter, recueillir leurs données, tout cela va devenir aussi indispensable qu'avoir des connaissances web ou de programmation mobile. Dotblog et son pendant vidéo Dotvlog ont depuis toujours abordé des sujets avec beaucoup d'avance. L'IoT en fait partie. On se rappellera, par exemple, de ma série de 12 vidéos sur MVVM Cross datant de 2013. Hein, ça fait loin, impliquant à la fois MVVM et Xamarin bien avant l'achat de cette société par Microsoft et bien avant que Xamarin Forms n'existe. Voir loin quand on voyage à Dodane est appréciable pour se repérer, mais pas très utile pour éviter les accidents de parcours qui se trouvent à quelques mètres devant soi, et qu'on a largement le temps d'éviter. Mais voir loin quand on voyage à la vitesse de l'évolution de notre société électronisée et informatisée, c'est tout juste entrevoir ce que sera demain matin. Alors suivez-moi et regardons ensemble aussi loin qu'on le peut. Ce sera toujours trop court pour devancer la réalité à venir. Amis développeurs et philosophes aussi, sur ce, à très bientôt et stay tuned.